restes jusqu'à la fin de ce vlog. Je te joue quelques notes de guitare. Salut, je te retrouve dans ce nouveau vlog de la semaine MX Réflexion. Cette semaine, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on risque de t'annoncer un invité pour le live, un invité que l'on veut avoir depuis très très longtemps et Nico est en train de le travailler au corps. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que si ça se trouve, ça sera positif et tu auras l'info en avant-première. Donc cette semaine, je t'amène avec moi en roulage à Gaël-Touza. On sera aussi à Gaël-Touza les 15 et 16 mai pour le Product Experience Tour avec le team 2B, avec pas mal de pièces à essayer. Donc ça sera hyper intéressant. Et cette semaine, pour le live du coup, on travaille au corps. On ne l'aura pas cette semaine, on l'aura celle d'après. Mais tu vas voir que c'est pas mal. C'est un pilote. Je t'en dis pas plus, un pilote et qu'on va essayer d'avoir et qui sera... Et on sera très très content si on l'a parce qu'on ne l'a jamais eu et on bataille depuis un moment, il n'aime pas trop les lives d'habitude. Allez, je t'amène avec moi sur la semaine complète. Non, t'es pas trompé, t'es pas sur Musique Réflexion. Aujourd'hui, on bosse sur deux vidéos, dont une qui a un lien avec la moto. Allez, je te mets l'extrait, c'est parti. Bienvenue chez Morraco. Nous, notre métier, c'est la vente aux professionnels de pièces et accessoires pour les motos et scooters. Ça, c'est le harnais Wish. Celui-là, c'est pas celui-là qui a ruiné MX Réflexion. Ça, c'est la stagiaire qu'on voit. C'est la première fois qu'on l'entend. Il y a du coup les herbes de vin qui sont floues et tout le reste c'est La bonne nouvelle de la semaine pour nous dans l'entreprise, c'est qu'on a eu une réponse de France Compétences et nos formations sont maintenant éligibles au CPF. Ça veut dire qu'elles sont financées par l'État pour des personnes qui ont travaillé plus de 2 ans en France. Donc c'est super bien et ça permet à beaucoup de personnes de se former sur les réseaux sociaux, sur le fait de mettre leur entreprise sur Facebook, Instagram, YouTube, etc. Donc on propose ça, c'est gratuit du coup pour le consommateur. Donc toi, si tu es intéressé, si tu veux travailler dans une entreprise et gérer les réseaux sociaux, si tu veux mettre ton entreprise en ligne, contacte-nous, on a des solutions qui sont gratuites pour toi. Faire craquer le cycle.
Là. Ça se met un peu comme des bretelles au final. Faut pas que je fasse craquer l'élastique, ouais. Ça c'est la stagiaire pour moi. Ça ressemble à ça. T'as vu, une semaine chargée avec de la moto à kayak, de la moto sur un terrain privé. On a filmé pas mal avec Nico. On va te sortir une vidéo. On essaie de sortir un nouveau projet. Un nouveau projet qui sortira ou pas d'ailleurs, parce que c'est vraiment un test. Si la vidéo que j'ai en tête sort, c'est parce qu'on la trouve cool. Sinon, ça sera une journée de perdu pour nous, parce que si c'est pas cool, je la sors pas. C'est clair et net. Et voilà, donc on a fait une journée de tournage, je vais monter ça dans la semaine, je te tiendrai au courant la semaine prochaine, de toute manière tu verras si ça sort. Dans le prochain vlog je te dirai si on l'a sorti ou pas, je te mettrai peut-être quelques extraits pour que tu nous dises si toi tu as envie de voir sortir ça. Mais c'est quelque chose de, voilà, d'un peu humoristique et un peu différent de ce qu'on fait habituellement sur la chaîne. Donc même complètement différent. L'invité du live dont je te parlais en début de cette vidéo, c'est Dylan Ferrandis. À l'heure actuelle, on est mardi et on n'a pas eu de nouvelles pour la semaine prochaine pour voir si on peut avoir Dylan avant le début de l'outdoor. Donc voilà, pas désolé, j'ai pas plus à t'annoncer. En tout cas, on travaille dur pour l'avoir. On aimerait bien. J'ai beaucoup de questions à lui poser parce qu'on l'a jamais eu. Et Dylan, contrairement à des pilotes comme Marvin Musquin ou d'autres pilotes, personnellement, je le connais beaucoup moins. Donc pas mal de questions. Donc voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt.